Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM. J'arrête quand je veux. Je passe mes nuits dans les cabarets avec mon amour, avec le vin. Au départ, ça c'était M. Golpa, Akpare Golpa. C'est un grand maître de la musique persane, grand chanteur. Il a âgé de 86 ans. À l'époque, il était le préféré de Shah d'Iran, M. Akpare Golpa, maître Golpa. Et la voix qu'il avait, c'était, on disait, toujours extraordinaire. Une fois, Charles Aznavour était invité de Shah d'Iran avec Akbar Golpa. Et Charles, il demande de Golpa de l'apprendre chant persan, surtout est style de Akbar Golpa. Et Charles Aznavour, plusieurs fois, il m'a dit ici, il disait, David, Golpa, comment va? Je disais, il va bien. Il disait, lui, c'est mon maître, Akpare Golpa. Alors Golpa, après la révolution islamique d'Iran, ça fait déjà 41 ans, il n'a pas chanté pour le gouvernement islamique. Déjà, au départ, on l'avait arrêté plusieurs fois, emprisonné. Et quelqu'un qui sont ses disques à l'époque, ça s'est vendu par le million. Même actuellement, vous êtes n'importe où dans le monde, vous dites Golpa. Vous n'allez pas l'oublier, puisque Google, Golpa. Alors, tout le monde l'aimait et il continue à l'aimer, Akbar Golpa Ighani. Alors, pendant 41 ans, il n'a pas chanté pour le régime islamique en Iran, mais il a donné beaucoup de concerts en dehors de l'Iran. Et il habite toujours là-bas, mais il est... presque français, puisqu'il aime bien la France, il a un appartement ici à Paris, à lui. Ses deux filles-là, étudiantes ici, ils ont fini leurs études, ça fait des années. Chacun, hautes études, on peut dire, DOA. Et ils sont en Amérique, en train de travailler avec leur mari. Et Golpa, il a toujours un amour pour la France. La plupart des fois, il passe son temps en France, à Paris. Récemment, il a quitté Téhéran. Il a eu beaucoup de problèmes pour quitter, puisque pendant plusieurs années, on l'avait gardé pour l'interroger, etc. Mais il est à Paris, de nouveau, comme d'habitude, comme chaque année.
Et pour vous informer, j'ai le plaisir d'avoir ce soir comme invité Monsieur Jean-Philippe Biron, mon ami de longue date et l'ancien directeur du magazine Chambre et Sénat. C'est un écrivain, c'est un économiste, quelqu'un qui connaît beaucoup de choses sur l'économie mondiale et l'économie de la France. Et ce soir, il va dévoiler quelque chose d'assez intéressant pour vous, pour nous toutes et tous. Avant d'écouter, d'aller voir Monsieur Jean-Philippe Biron, puisqu'on vient de parler de la musique persane, si vous voulez bien, on va écouter Roselyne Bachelot, Bonjour qui Roselyne part de la Bachelot. musique Bonjour persane. Saskia. Incomparable de la musique persane, une des plus anciennes du monde. On voit sur les hauts reliefs des sites archéologiques de Suse ou d'Elam, des joueurs de flûte, de luth. Hérodote raconte dans ses histoires les concerts qu'il écoute à la cour achéménide lors d'un voyage dans l'Empire perse dans les années 450 avant Jésus-Christ. Les musiciens sont alors des artistes qui ont toute leur place en musique de cour pour accompagner les divertissements du souverain. La musique remplit un rôle d'accompagnement du culte religieux, tel celui de Mithra, qui sera ensuite exporté à Rome. Les mélodies accompagnent surtout les textes de l'Avesta, le livre sacré de la grande religion monothéiste persane, dédié à Zoroastre, autrement appelé Zarathoustra. Tout au long du premier millénaire avant Jésus-Christ, en particulier sous la dynastie sassanide, on peut parler d'un véritable âge d'or de la musique persane. Les noms des musiciens, qui étaient des stars, hein, sont parvenus jusqu'à nous, tels celui de Barbade le Grand, interprète, musicologue, compositeur, auteur d'un système musical élaboré à base de 30 sons et inventeur du luth. Cette musique persane ne va pas disparaître avec l'invasion musulmane. Elle va même influencer profondément la musique arabe et ainsi, grâce à la conquête de l'islam, déborder sur tout le pourtour de la Méditerranée et devenir une des racines du style arabo-andalou. Cette extension est facilitée par le fait que des philosophes arabes, comme le grand Farabi ou des savants tels Avicenne, sont en même temps des musicologues et des compositeurs. La musique arabo-persane va donc garder son rôle de musique de cour, de musique militaire, plus exactement martiale, avec les grands tambours qui font sa spécificité, accompagnant combats, défilés, mais surtout les exercices typiques de cette gymnastique iranienne, toujours pratiquée dans la Zourkaneh, le gymnase iranien. La musique religieuse va être profondément modifiée par l'islamisation, perdre son caractère mélodique, devenir psalmodique. Elle va accompagner des pièces de théâtre, ou plus exactement des passions, comme celle dédiée au martyr du fondateur du chiisme, le petit-fils de Mahomet, l'imam Hussein. Ces deux sources, persane et arabe, sont à la base de la musique classique iranienne. Alors évidemment, il y a aussi de nombreuses musiques populaires, azéri, bakhtiari, balouche, turkmène et bien sûr kurde, car c'est au Kurdistan qu'on retrouve des musiques sacrées extatiques qui accompagnent les confréries des derviches. L'influence de la musique occidentale a aussi, au cours du dernier siècle et même avant, été sensible. Les Iraniens sont perméables à toutes nos musiques. On écoutait Mozart à la radio de Téhéran, on connaît la guitariste Lili Afshar ou le chef d'orchestre Zubin Mehta. Le pop et le rock ont produit de nombreux artistes iraniens. Hélas, la révolution de 79 a stoppé tout ce mouvement, entraîné l'exil de nombreux artistes qui se sont installés pour beaucoup dans la région de Los Angeles. J'ai choisi pour vous la voix de Hayedeh, sublime contralto iranienne, interprète classique mais aussi pop, décédée en janvier 90 en exil. Shane Hayat par Hayedeh. Oui, voilà, Shane Hayat, c'est Hayedeh qui chante. Hayedeh, grande chanteuse perse, aussi était une élève de maître Akbar Golpa qui est à Paris actuellement. J'ai parlé au départ de notre émission d'Akbar Golpa. Merci Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot, vous savez, son texte c'était bien écrit, c'était excellent son texte. Alors moi-même personnellement, je le remercie beaucoup. Alors si vous voulez bien maintenant, je vais aller vers mon invité, Monsieur Jean-Philippe Biron. Bonsoir Monsieur Biron, comment allez-vous? Vous allez bien? Je suis ravi de vous avoir en ligne. Mais comment allez-vous, cher ami?
Ça va, monsieur Bassi? Excellent, excellent, très bien. Une petite minute et on revient. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM. J'arrête quand je veux.